c'était important pour moi de parrainer cet événement et ces mémoires remis par de jeunes experts comptables et commissaires en compte sur on va dire, l'avenir de la profession et les enjeux de la profession. Parce que je pense qu'on est à un moment de grand bouleversement, un moment de grand changement dans l'économie, dans la société, on le voit avec la numérisation. Et donc, les experts comptables sont au cœur de ce changement parce qu'ils doivent à la fois écrire les nouvelles règles tout en continuant à appliquer celles qui existent. Donc il faut faire preuve d'inventivité, faire preuve d'innovation et réussir à s'adapter pour poser un nouveau cadre sur les innovations qui sont produites par le numérique. Et je trouve que voilà, c'est remarquable de la part de ces jeunes qui sont encore tout nouveaux dans la profession, en tout cas qui arrivent, de s'intéresser à ces sujets et puis d'écrire ce qu'est l'avenir de la profession. Je pense que c'est extrêmement important que les institutions, en tout cas les corps encadrants, disons-le comme ça, montrent qu'ils sont partie prenante du changement, qu'ils accompagnent, qu'ils poussent la prise de risque, ce qui est l'innovation, ce qui n'est pas si facile, dans un corps qui est celui des experts comptables et des commissaires aux comptes, parce qu'on connaît l'héritage, l'importance de la crédibilité. Donc je pense que c'est bien d'être dans cette tension et de symboliquement s'engager pour l'innovation et la prise de risque.